de danse et des battements des mains à l'unisson et à la cadence du développement de Kulikame. C'est désormais possible dès ce samedi 6 janvier 2024 grâce à la fête de la jeunesse. J'ai compris à travers votre détermination que non seulement vous avez cru en nous, mais vous nous avez fait confiance. La nuit même où mon destin a croisé Féjec, entendez fête de la jeunesse de Kulikame, j'ai su mobiliser toutes mes forces internes afin de réussir la mission à moi confiée par les 10 fils et filles de la commune de Kulikame. Malgré la diversité politique, ethnique et sociale qui caractérise notre chère commune, vos appuis, apports et conseils nous ont permis de transformer l'idée de fédérer la jeunesse de Kulikame autour d'une fête à la réalité de ce jour. Féjec envisage matérialiser l'édition 2024 par une œuvre sociale de grande portée à hauteur de 35% des fonds collectés, soit environ 3 500 000 de francs CFA. Féjec est né, devra vivre et survivre dans le temps pour impacter le développement tant souhaité à travers l'idée qu'il a conçue pour le bonheur des filles et fils de Kulikame. Petro Tchokodor, secrétaire général du comité d'organisation, revient sur la jeunesse de la PGEC. Cette fête est venue parce qu'à Kulikame, plusieurs tentatives ont échoué pour faire asseoir cette initiative. Et c'était à cause de la politique. Mais c'était un jour où j'ai participé à des fêtes là, du genre ailleurs. Et au retour, j'ai dit, mais pratiquement, ce sont les cadres, les fils et filles de Kulikame qui activent ailleurs les fêtes. Pourquoi ne pas le faire chez nous? C'est ça, une nuit, j'ai dit, j'ai appelé certaines personnes, j'ai dit, même si on est 100, on va commencer par fêter. Et j'ai dit, ok, j'ai nommé tout le monde administrateur. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai pris des gens pour montrer que ce n'est pas de la politique. Je suis descendu au niveau du secrétariat. J'ai laissé quelqu'un pour être président. Et on a choisi tout le monde pour diriger. Tous les arrondissements sont représentés. Et c'est de là qu'on a choisi le nom Fête de la jeunesse de Kulikame. Parce que nous allons commencer par la jeunesse pour englober toute la génération. C'est pourquoi on n'a pas dit Kulikame. Oui. Donc en fait, si vous voyez aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est pour toutes les générations. Saluant le sens d'engagement et de bravoure de la jeunesse de Kulikame, le maire Betikan et le préfet Mebedi prônent la cohabitation de toutes les forces communales pour un réel développement. C'est l'occasion de saluer le sens d'engagement, d'abnégation et de bravoure de la jeunesse de Kulikame pour cette belle fête qu'elle a jugée utile, indispensable, puisque rassembleur et de surcroît une véritable idée de développement culturel de la communauté. Ressaisissons donc nos synergies dans la dynamique de vivante action participative au réel développement du Kulikame. Nous, désintéressants au profit régionaliste, individualiste, voire clanique. C'est pourquoi, toujours enflammés d'une ardente volonté d'œuvrer à la prospérité et l'essor de notre chère commune, de vos autres chères populations, frères et amis, à attribuer à Féjec une place de choix dans ses programmes quotidiens en vue de la soutenir. Il me plaît de répéter encore ici aujourd'hui qu'il est culturellement, spirituellement, économiquement et même politiquement nécessaire que des frères et sœurs se réunissent, se mettent ensemble pour se regarder, pour s'embrasser, pour festoyer. C'est le cas aujourd'hui. La jeunesse, c'est le fer de lance de toute collectivité, de toute cité. La jeunesse doit contribuer au développement. Je voudrais que cette jeunesse-là se joigne au conseil communal pour que le travail soit bien fait. Si les gens font du désordre, vous êtes amené à dire que ce n'est pas bon. Mais s'ils font bien, encouragez-les et aidez-les à aller plus loin. Natifs et invités perdent leur latin pour la vision caritative derrière PGEC. Je dois d'abord féliciter les organisateurs
ils ont été de grands organisateurs. Tout s'est bien passé. En même temps, je dois remercier les participants qui sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux de tous les horizons. Ici, il n'y a pas de la place pour le partisan. Ici, le partisan, c'est d'être de Koulékamin. Et donc, j'ai vu que tout le monde était là. Et je suis donc heureux qu'il y ait une telle fête à partir de maintenant. Et ça a été, au-delà de la fête de la jeunesse, une fête des filles et fils de Koulékamin. Et moi, je suis très heureux d'être un des témoins parce que j'ai vu ma fédération géante dépourvue de tout clivage politique. J'en ai vu de tous les bords. J'ai vu des opérateurs économiques. J'ai vu des cadres, des universitaires. Et nous sommes tous restés ensemble dans la fraternité. C'est une bonne chose et il faut que ces moments-là arrivent. Nous devons, au-delà de tout, de toute religion, de tout bord politique, nous devons nous soutenir mutuellement, hein, nous accompagner. Et je crois que c'est ça qu'on a vu ici ce jour. Et comment faire pour renforcer davantage notre solidarité entre frères, notre fraternité. Et c'est ça que nous devons cultiver tout le temps. Les moments politiques peuvent venir et nous serons des adversaires sur le terrain politique. Mais au lendemain de ces moments, nous devons fonctionner en frères, en toute fraternité pour construire Koulékamin, pour construire le Koufou et pour construire le Bénin. Et ce qui m'a beaucoup plus édifié dans tout ce que j'ai entendu, c'est qu'une partie des fonds collectionnés, une partie des fonds est réservée donc à une œuvre sociale. Je pense que c'est ce qui est important. C'est ce qui va immortaliser cette fête qui vient de commencer, qui a rassemblé ici à Koulékamin toute la jeunesse, tout bois politique confondu. Félicitations. Koulékamin est une commune bénie. Elle est une commune bénie parce que de Koulékamin, nous avons connu beaucoup d'autorités, beaucoup de personnes qui continuent d'exercer leurs fonctions avec beaucoup de responsabilités. Vous savez, ce qui nous lie ici, c'est Koulékamin. Et Koulékamin, l'intérêt de Koulékamin doit être déçu de tout autre intérêt partisan, ethnique, etc. Le destin de Koulékamin est notre destin commun. Rappelons qu'une minute de silence fut observée en mémoire des filles et fils de Koulékamin rappelés à Dieu au cours de l'année 2024.